Bien, bonsoir à tous. On se retrouve sur IAM Futur. À mon avis, ce sera certainement le dernier stream dessus, je pense. Car tout le reste du contenu est bloqué tant que maintenant. Il n'y a pas encore une mise à jour qui rajoute autre chose donc. Donc à mon avis, ce sera sûrement un des derniers streams avant une mise à jour. Bon, c'est la nuit, on va se promener. Donc là, j'ai mes petits robots qui font leur taf au final. Un qui récolte et l'autre qui me remplit. La joue, enfin l'énergie ici. Alors comme qu'il me reste café énergisant, je sais toujours pas comment on le fait. Alors il faut trouver trois jeux pour Prospero. Je vais déjà apporter deux, il manque plus qu'un. Et puis il faut parler de la production de Tremailleur à Marie Queen et à Arve. Prospero c'est lui, Marie Queen elle est là, et Earl là c'est le frigo. J'attends avec impatience qu'on puisse visiter de nouvelles zones et que le jeu s'enrichisse au final. Alors ici comme vous pouvez voir, j'ai récolté tout ce qu'il y avait à récolter, j'ai rangé, j'ai stocké. Enfin, j'ai pas tout récolté, il reste que 2-3 trucs ici qu'on va démonter d'ailleurs pour récupérer des ressources, même si c'est pas quelque chose qui nous manque là. Au début, je j'étais assez galère pour être vu de la nourriture, tout ça, mais maintenant, enfin, pour être vu nourriture et ressources. Ah, maintenant c'est plus le cas. C'est easy. Surtout que depuis j'ai trouvé comment bloquer les bestiaux, en fait il suffit de déplacer les trucs. Ici bientôt, j'espère bientôt pouvoir y accéder à cette zone là ou une autre zone, peu importe. Celle-ci est fermée aussi de toute façon. Bon, on va démonter ça. Hop, ici aussi j'ai fait des rangements tant qu'on y est. Bon, on va tout démonter ici. Ah, il y a les Covandings. Tu peux voir ce qu'il propose. Mais. Hop. On va démonter ici aussi. Ah, on va pouvoir envoyer notre petit robot en exploration, notre drone. Vu que le jour se lève. On verra redémonter ça après. Ouais, donc il y a ces zones-ci qu'il faudrait qu'elles s'ouvrent. Celle-là. Celle-là aussi. C'est encore du taf. Hein. Ah, il faudrait qu'on démonte ça aussi. Il y a celle-ci aussi, il faudrait qu'ils ouvrent.
Ah, donc c'est par là. Et puis peut-être donner accès à d'autres toits. Pas mal parce que là on peut voir qu'il fait mon avis c'est juste des décors, c'est pas vrai, quoi que je ne sais pas. Alors on pourra peut-être y aller, je sais pas, voilà. Aucune idée. Bon, on va envoyer notre petit drone en expédition. Je pense qu'on l'avait mis à fond lui ou pas, je ne sais plus, on va regarder après. Bon, alors ici, pop, 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 pop. Ah, c'est vrai qu'ici ils avaient ouvert de nouvelles zones. Ah, ça c'est bientôt disponible. Il faut, ouais, le truc niveau 3, bon, on est bloqué. Là niveau 4 et niveau 3. De toute façon la tour, on ne sait pas la meilleure étoile maintenant. Par contre, on va envoyer le drone dans ces deux endroits-ci. Tu peux voir ce qu'il y a. On va l'envoyer au monorail. Comme ça, va revenir avec une caisse surprise. Ah, ici, ouais, j'ai mes quatre plateformes. En plus, le truc à fond, je pense. On va l'envoyer là. Circuit de karting. Ah, c'est la même chose, ok. On va envoyer, non pas là. Voilà. Bon, voilà. Prendre les petites ressources. Attends, on va envoyer chez Tata Agathe. Voir ce qu'elle a à proposer. Alors bah, rien de spécial par des pompes quoi. Ah, je vais lui acheter une pompe, peut-être un engrais là. Hop. À part ça c'est tout. On va faire rentrer la base. L'expédition aurait été vite faite. Personnage à femme, ça c'est pas trop grave. Ouais, par contre, je vais ranger tout ça. Ouais, vu que j'ai tous les coffres linkés, c'est plus simple. Vachement, vachement, vachement plus simple. C'est pour ça que j'ai foutu des coffres un peu partout maintenant. Ouais, y a pas besoin de se déplacer. Un peu étrangement.
On ne fait pas de tort. Ah, par contre, les pompes, ça, j'en ai pas d'autres. Je pense pas. Non. Ah, ben, on va les mettre. Ici. Alors, voilà, mettre. J'en ai qu'une. On va un petit peu voir si on ne sait pas améliorer quelque chose. Ouais non, tout va déjà, bah ouais, bientôt disponible. Donc maintenant c'est pas amélioré. Par contre là le module, ouais, j'ai installé tout ça. Ah, je fais tout installer. Hein. Je suppose que c'est encore de vêtements. Hein. Ouais, un survêtement. Ce pantalon protecteur écartera tous les obstacles de votre chemin ou pas. Ok. Et ici. Une matrice. Ouais, bon, ça va. Bon, ok. Ok. Je prends. Je crois que le seul truc que vous pouvez encore améliorer, c'était ceci, la presse. Ouais, ça c'est un faux 6 comme ça, deux comme ça. Donc batterie, burette et câble. Il faut batterie, burette et batterie. On va améliorer. La tôle, plexi et planche. On ne peut pas l'améliorer plus que ça. Ok. Bon, ici dedans, on a débloqué tout ce qu'on savait débloquer. Donc maintenant, ah, le grade des outils, c'est pour après. Ok. Ah, tout le reste, c'est tout. Fait quoi. Bon, on va d'ailleurs parler, on va les farmer un petit peu. Terminer de démonter ce qu'il y a à démonter là, et après on verra bien. Ah ouais, ici. On va commencer par ça. Encore un truc à quoi ça, voilà, on s'en fâche de démontage, j'aime encore bien des trucs pas sur relaxant, c'est un jeu relaxant au final.
tant que j'y suis, je vais la ranger. On utilisera plus tard. Plexi. Oh, je pensais avoir toute faite. Ça. Ainsi est-ce qu'on récupère vraiment masse de ressources. Au niveau des montages, bah je ne sais plus rien démonter. J'ai démonté tout ce que je pouvais démonter à peu près. Alors, qu'est-ce qui me donne notre comatron ici? Il faudrait qu'il y ait la marmiteur. Ouais, ça me donne une veste. Ça va pas tellement de pêche. Un crabe crapuleux, ouais. Ok, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Par peut-être le pantalon de pêche, pourquoi pas. Ouais, ici, c'est vrai que j'avais jamais fait attention, c'est une piscine en fait. Hein. Pas fait attention. Par contre, le truc qui me demande, c'est pour le... Le jeu. Alors, je peux lâcher la tenue. On va faire comme ça. Ah, mais je l'avais sur moi, ok. Quand il prend le filet de scie.
Alors, il va sentir que cette imitation fait pâle figure comparée à tes androïdes de génie, directeur Lucius. Mais elle peut donner envie aux plus jeunes d'en savoir plus sur la robotique. En toute honnêteté, ces jeux que tu as récupérés ne sont pas que de sa veste du passé, ce sont aussi des souvenirs d'enfants, de mes enfants, directeur Lucius. Moi, je comprends mieux pourquoi ces jeux comptent autant pour toi. Alors, Francesco, Samantha, Nicolas, ils ont pu devenir de belles personnes dans le présent grâce à tes jeux. Grâce à ces jeux d'antan. J'ignore ce que sont devenus mes bébés, mais grâce à ton entreprise, je sais qu'ils ne disparaîtront pas. Bon, on va la préparer. La fête aussi. Hein. La porte des entre crémaillères. Bon. On va la prévenir. Ici les Covenant. Ah non, j'ai tout pris là. Bon, je vais te parler pour la fête. Alors, il veut quoi? Il veut. Alors, on va servir de burger. Ok. On va préparer un burger pour. Alors là. Ok. On va faire ça, on va les préparer. On stock, bah burger, bah voilà. Faut juste deux pâles. Et des pâles, j'en ai dans un coffre. Ou je ne sais pas, mais je sais bien que j'en ai. On va d'abord ranger ça, ça. Et là. Là. Et là. Attends, hein. D'abord ranger tout ce fourbi. J'aime bien quand c'est rangé. Celui-là est plat. Ah, plastique. Bon, un de pas, de plat. Bon, café, je ne sais toujours pas le faire. Bon, ben, on va cuisiner ça. On peut en faire. Ouais, on peut en faire quelques heures quand même. Pas deux. Deux, c'est quelques heures. Bon. Thank you.
comme ça va lui donner son burger. D'abord, attends, je vais ranger ça. Hop. Un cap énergisant, ça je le garde. Ah, tiens, voilà ton burger. Alors, il me donnera 5 étoiles sur 4. Fire. Alors, c'est comme si je retombais en enfance. Cette époque où je n'étais qu'un mini frigo. Je vais donner, vous donner la recette. La barre énergétique vous octroie force et dynamique. Mon café énergisant, c'est autre chose, ça, grand. Ça, c'est autre chose. Je ne sais toujours pas le faire. Ah non, moi, je devrais pouvoir le faire, café énergisant. Non, café énergisant. Attends. Attends, je vais finir pour 2 secondes. Hop, on va prendre ça. Ah, ça me fait bizarre de le voir chauve. Voilà. Bon, alors, le café énergisant. Question. Je prends ça que je mets ça là. Ça fait une substance insolite. Un café énergisant. Ça avec de l'eau alors. Ah ouais, c'est ça. C'était bêtement ça. Bah ouais. Bêtement ça. Je vais le faire. Bon, tiens, fais ton café. Alors, je vous jure sur mon évaporateur que ce café pourrait réveiller à mort. C'est une boisson de luxe. Ah, il m'a donné des trucs. Du charbon, ouais, et une burette, ok. Et donc maintenant je sais faire le café. Ok. Bon, on va ranger tout ça. Encore une fois. Bon, c'est juste burette. Voilà. Ça, ça, et ça, le reste je garde. Bon, alors ça rapprocher d'Arne de Marie et de Prospero. Ah non, rapprocher de la Seine, ok. Ok, pour ce faire, j'ai besoin de mon appareil à déplacer. Hop là. Alors, on va déjà choper Prospero. Pourquoi je peux pas? Parce que je peux pas.
peut pas, il veut pas. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a moins de peluche. Bah ça, je voudrais bien transférer. Je peux pas transférer, pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux pas transférer? Ça je pourrais, mais ça je peux pas. Oui, ça va, je peux pas. Attends, de quoi? Une nouvelle quête, canapé. Canapé dans le monde gastronome. Ah, pour se faire de quoi? De pain. Faut du pain. Ah, c'est sûr. Bon, canapé, faut du pain. Ah, du jus de poisson, caverne. Qu'est-ce que j'en ai foutu du caverne? Allez. Hop, attends. De mer, non, piment, non, de fleurs, non, feuilles de salade, non, bon, on va essayer tout, hein. Des amandes, je crois pas, l'huile de poisson, non, champignons, non, puisque là c'est bon, hein. On leur parlait. Ah, fatalement. J'ai essayé. Caviar, poisson, pas. Ah, il faut du poisson. Ok, ça va, ça va. Caviar, poisson, et pas. Poisson. Les petits cochons. Et ça j'en ai dans les coffres. Là, prends cela. Marche bien. On va les filter, hein. Caviar et du poisson. Voilà, tiens, ça son truc est fait. N'importe le schéma suivant. Non. Nous, bon, on va lui faire un canapé. Ah, il s'ouvre. Ah, voilà. Ça va, merci. Bien, je vais me lancer. Alors, avec
cette description, on dirait que ça fond dans la bouche comme un glaçon, hors du congélateur. Comment vous remercier pour ce mail si délicat? Oh, je sais pas. Alors, il vous faut un assistant, quelqu'un qui s'occupera des tâches fastidieuses à votre place. Ce scénario programmeur pourrait concevoir un mini-robot. Un chef digne de ce nom. Un mini robot. Ah mais oui, pour les déplacer, je les avais déplacés avec truc. Avec mon transporteur, mais avec lui. C'est avec lui en fait. Je me souviens bien. Par contre, comment est-ce que je peux faire alors? Ouais, c'est la nuit, évidemment. C'était lui qui les avait déplacés. Il faut attendre la journée. Hein. Pas le choix. On va aller dormir. D'abord, je vais recharger son accoutrement parce que là. Je vais lui remettre des cheveux. Ça me perturbe. Je veux le pantalon aussi, t'as connu. On va mettre celui-là. Ouais. Les chaussures, non, tu gardes ça. Et pour le haut. Ah, le haut, le haut, le haut, le haut, le haut. Le haut. Ça. Allez. Pourquoi pas? Petite somme qui va pas durer longtemps là. Alors ça va, mon grand. Attends. On va attendre que ça soit 9h. 8h, allez, 8h, 8h, 8h. Voilà, comme ça, il est raccord, comme dormi un tout petit peu. Bon, alors on va demander à Chouchou qui me déplace les trois ozones. Hein. Ah, mais si je t'envoie une expédition, il y a peut-être moyen. On va tester. C'est vrai que c'était lui qui me les avait. Qui me les avait amenés. Comment je peux les rapprocher? Ça ne peut être que lui. Non? Ah, attends. Comme ça, voilà. Ah là, ici, voilà, c'est ici.
Voilà, c'était comme ça. J'aurais pu le faire le jour avant. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas ça. Pas ça qui fait. C'est vrai que lui me les avait apportés, mais je pouvais les déplacer. Ah ouais, taper près de la scène. Voilà, transfert en cours. Ouais, c'était bien lui qui les a amenés en fait. Hein. Alors, on va mettre là. Et Prospero. Prospero. On va le mettre. On va te faire pivoter. On va te mettre là. Voilà. Ça vous convient comme ça? C'est bon? Vous pouvez me parler de tes enfants. Ça va pas encore. On va taper sur la scène carrément. Et sur la scène, on peut pas. Ah, je vous ai rapproché de la scène, les enfants. Attends, pourquoi est-ce qu'il y a personne ici? À mon avis, les électroparasites ont enterré l'humanité. Si on assiste vraiment, on peut récupérer une faible quantité d'hyolonite sur l'être humain. À quoi ça ressemble? Cosmopolis. Alors ça ne me surprend guère que tu aies dirigé Cosmopolis, Lucius. Tu as su remporter les guerres corporatistes et acquérir d'autres sociétés dans le but de fonder Unicorp. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors la comète Pandore a fait éruption dans le champ gravitationnel de la Terre. Pour devenir notre seconde lune. L'ennui, c'est que celle-ci a provoqué des déluges sans fin. Cosmopolis, c'est la dernière ville à compter 1 milliard d'habitants. La quasi-totalité de l'humanité s'est réunie ici pour former la Fédération Terrestre. Et comme d'habitude, l'argent faisait loi. Plus précisément, les entreprises faisaient loi. Les guerres corporatistes ont saccagé la ville jusqu'à ce que tu fasses ton entrée et que tu les unifies toutes. Ok. Alors tout nouveau chez toi, te plaît-il? Ah bah il est content. Donc je les ai rapprochés de la scène. Ah oui, maintenant je peux. Mais d'accord, ok. Je peux parler au micro. Dis bonjour micro. Bonjour micro. Alors, mes amis ne sont pas tous dans la zone VIP. Je vais les rapprocher de cette scène. Alors, comment ça ils sont pas tous dans la zone VIP? Merci. La mettre tous par là, j'aurais pas. Hein. Ah, lui, peut-être.
c'est où celle-là? Bon, on va voir si c'est bon ou pas. Ah, logiquement, oui. Ouais. C'est la fiesta. Et alors, je Prospero, j'avais prédit l'arrivée de ce jour. Bon, j'ai peut-être donné quelques indices. Alors, notre merveilleux maire va parler. Merci à tous d'être venus. C'est quoi? C'est raconte lui? Ouais. Alors, c'est un vrai bonheur de savoir que je ne suis pas seul dans ce monde en ruine. J'ai des amis extraordinaires à mes côtés. Ouais, on peut parler de ça, ouais. Relation humaine, c'est pas vraiment ça. Hein. Et fatalement, les électroparasites se sont amusés, non? Ah non. Alors là, qui êtes-vous? La voix de la vérité. Vous croyez que Lucius était un saint qui a sacrifié sa vie pour les cosmopoliens? Que nenni. Il n'est qu'un tyran, un criminel doublé d'un escroc. Mais ce n'est pas le pire, croyez-moi. Il y a une chose que vous devriez savoir, chers résidents de Cosmopolis, votre Lucius adoré est le seul responsable de l'attaque des électroparasites. C'est possible, oui. Bah, hello. Il suffit que quelqu'un dise ça, du coup, ils sont en train tous de me condamner, là. En anglais c'est pas top hein. Attends, bien je vais te je me souviens de toi, tu es un meurtrier quoi. Mais c'est quoi un mec en apparence non? Ouais, je vais dévoiler tes atrocités en pleine lumière. À la prochaine. Bon, première étape terminée. Vous avez commencé à rendre Cosmopolis à sa gloire d'antan. À l'avenir, vous découvrirez d'autres secrets, rencontrerez de nouveaux amis et construirez le toit de vos rêves. Ok. Est-ce qu'ils tirent la gueule ou pas eux? Construisez, planter, cuisiner, comme on vous semble. Ok. Maintenant, ils n'ont pas disparu de ma faute. Un Michel Comerti. Du lait d'amande. Et elle. Bon d'accord. Ils me tirent tous la gueule, à part le frigo. Bon, est-ce que ça m'a débloqué d'autres choses ou pas? Je pense pas. Il hein. Faut que je sache. Non. Non,
par nos recettes. Roulet d'amande. Donc il faut que je recherche la place. On va t'envoyer peut-être juste pour voir quoi. Mon avis aura rien de plus, mais ah non. Maintenant c'est tout. Ok. Ok, on pourrait peut-être aller là. Juste pour vérifier qu'il n'y ait rien de plus. Rien de neuf sous le soleil. Ben, je pense qu'on va terminer sur un cliffhanger, hein, qu'on appelle ça. On a eu des infos, enfin, un ragot qui dit que c'est notre faute que les électroparasites sont là, mais est-ce vraiment le cas ou pas? Mystère et boule de gomme. Je suppose qu'on en prendra plus une fois qu'il y aura une mise à jour. Combien de temps combien de temps de jeu là? Je ne sais pas. Attends, c'est quoi ça? Niveau de sérénité normal. Non, mode foyer, non. Ah non. On ne sait pas combien de temps de jeu j'ai en fait. Aucune idée. Mon avis passe à 50 000 heures. Voilà, j'espère qu'il y aura bientôt une mise à jour qui rajoutera enfin, du contenu supplémentaire quoi. Par contre, les trois oiseaux, je vais quand même pas le laisser là. J'espère qu'il va retourner à sa place. Même s'il me fait la gueule, c'est pas grave. Le Queen. On va retourner là où elle était. Hein. Non.
temps, je me suis brouillé avec deux amis. Et le troisième, il va retourner à sa place aussi. Et tous les damas, toi, tu faisais comment en fait? Alors du lait d'amande, faire du lait d'amande. Ah, sucré avec des myrtilles, du lait d'amande, je fais ça comment moi? Ah, des amandes, de l'eau. Ah, je teste. Ouais. Ah ouais. Ok. Donc là, ça me ferait du lait d'amande. Ok. Donc, passons. Il me faut du truc. Il me faut du bois. Ah, comme faire la recette. Hop, on y a. C'est la petite qui mange des chips. Alors. On va se faire ça. Alors, bon, mode gastronome, lettre d'amande et myrtille qui m'avait dit. Comment ça, non? Et pour le sucré. Ça? Sucré, je vois pas d'autre. Hein. Ah, peut-être ça est tubercule lunaire. Peut-être, faut tester. Non. Les fleurs. Non. Bon, les damantes, on a su faire. Attends. On va t'en reparler. Hein. Michèque, merci. Les damantes, je les ai, quoi. Chef myrtille, les damantes, la myrtille, ce sera tout. Après, ce qu'on peut rajouter d'autre. Donc ça, c'est celui qui m'a parlé de myrtille. Non. Donc ça, ça n'ira pas. Café. Café. Ah, ça c'est à la thé, ok. Ça je pourrais mettre avec quoi? Des amandes. Ah.
Il aide pas, non. Les myrtilles, ça va pas non plus. Ah, franchement, je vois pas. Les champis, non. Ça, là. Ça non plus. Non. C'est pas. Non, ça met l'échec, là, je vois pas comment. Comment on peut le faire, à vrai dire. Regardez dans le coffre, non. Non, ça c'est pour la paix. Moi je vois pas avec ça, du steak. Ça veut bien que ça va être dégueu. C'est vrai qu'il y en a fait, bah non. Non, là la recette je la vois pas. Je n'en sais rien. Moi j'ai trouvé la recette du latte. Bah on va terminer ça sur un petit canapé. Hein. Voilà. Et bah je pense qu'on va arrêter là. De toute façon ici, on va tourner en rond et il n'y a plus assez de contenu. Enfin, il n'y a plus assez pour faire du contenu au final. Hein. Ah, attends. Attends, on a acheté ce site de base et on l'a. Oh, ils ont réussi à passer barrière. C'est un petit peu embêtant. Hein. Ils ont réussi à passer, mais c'est pas encore trop grave. Quoi. À la limite, tu pourrais aller en chercher autre part, aller mettre là. Ah, ça, ça peut se faire. On peut pas transporter celui-là, aussi. Non. Non, celui-là, non. Transférer celui-là. Pour bloquer ces bestiaux. Je sais pas comment ils ont fait pour passer. À mon avis, c'est parce que je leur ai laissé trop le temps, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ah ouais, en même temps, ça me fait refaire deuxième gros là. Oh, attends, 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 attends. Faire massacre. Alors c'est déjà plus mieux comme ça.
Mais non. Là j'ai déconné par contre. Ouais. Ah c'est pas grave. C'est rien. C'est rien, ceux-là sont libres mais c'est pas encore trop trop grave. Ce n'est rien. Ouais, peut-être parce que j'aurais trop laissé développer peut-être. Sale bête. Voilà, il reste plus que le gros bulbe. Bon. Bon. Ah non, il y a encore celui-là. Ça va, t'excites pas. Bon, alors quoi sera, hein, c'est tout, hein. On va pas se laisser faire. Hein. Il suffit de recoiffer sa petite coupe, puis c'est bon. Hein. Ah voilà, ça ne m'inquiète pas du tout. À vrai dire. Ah, bon, bah, tout sera plus passé. Hein. Voilà. Si le robot ne sait pas passer, les bestiaux ne savent pas passer. Bon bien, de toute façon on va arrêter là. Comme je t'ai dit, ça ne sert à rien que je continue sur le jeu. Ce qui est à partir maintenant, ça va être plutôt tourner en rond. Alors... Donc bah, je reprendrai le jeu aussi une fois qu'il y aura... une belle petite mise à jour. Et puis voilà quoi. Ouais. Toi j'ai pas envie d'arrêter, mais voilà, ici je tourne en rond, donc il n'y a pas le choix. Ah bah allez, je m'arrête quand même là. Envie ou pas envie. Allez, un petit rangement pour finir.
petit arrangement. Ah là, mais fout de bordel dans mes coffres en plus. Hein. Foutu robot. Encore le plastoc. Alors que je vais mettre où? Ah, ici. Voilà, allez, on stoppe là. Bah donc, je vous donne rendez-vous sur ce jeu-ci quand il y aura une mise à jour, simplement. En attendant, on continuera sur d'autres jeux. Et bah, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.